Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer de lire le livre Ma meilleure amie. Chapitre 1, la mort. Je ne voudrais pas me vanter, mais la mort, je le connais bien. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une ombre qui se promène dans les corridors de l'hôpital. Elle se promène, elle passe au travers des murs. Elle va et vient dans les chambres et quelquefois, elle repart en tenant un enfant dans ses bras. Au début de mon hospitalisation, lorsque j'avais très mal au corps, je l'appelais souvent la mort pour qu'elle vienne me chercher. Je la goûtais lorsqu'elle s'approchait, je lui murmurais « Hé, la mort, je suis ici, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. » Mais la mort ne se retournait même pas. Elle continuait son chemin jusqu'au soir. Qu'elle est apparue au pied de mon lit. Elle ne souriait pas. Elle n'avait pas l'air méchante. Elle me fixait immobile, le dos voûté. Moi, à ce moment-là, j'avais moins mal au corps. Ce n'est pas pour me vanter. Mais je lui ai dit à la mort, « Reviens me chercher un autre soir. Si tu es fatiguée, tu peux reposer ici dans ma chambre. » À ma grande surprise, la mort, s'est installée au bout de mon lit. Nous n'avons rien dit. J'étais un peu craintif. Je ne savais pas qu'il fallait dire ou faire. Je lui ai offert un verre d'eau. Elle a refusé en faisant non avec la tête. Moi, j'ai bu quelques gorgées. Je me suis endormie. À mon réveil, la mort avait disparu. Au revoir.